aujourd'hui. On est donc le mardi 8 novembre. Voilà. Mardi 8 novembre. Alors attends, d'abord je voudrais montrer qu'ici il n'y a plus rien. Voilà. Tout le monde est parti. Ça répond à toutes les questions. Qu'est-ce qui s'est passé hier alors? Hier, réponds Génie. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Tu veux me dire? Hier, qu'est-ce qui s'est passé hier? Il y avait une proposition, les fiancés délais, ils ont passé un CDI. Oui. Alors hier, tous les fiancés délais, ils ont signé son contrat. D'accord. De 65 heures, mais il y avait un flou dans... Un flou? Oui, dans ce contrat, parce qu'ils ont donné le contrat CDI, CDD passe en CDI, mais 2 mois d'essai. Oh là là! Oh, les filles sont là depuis plus de 1 an. Donc elles peuvent être licenciées sans indemnité pendant la période d'essai. Voilà. Et elles ne s'en sont pas rendues compte pendant la signature? Les filles, voilà, j'étais tellement content, ils ne sont pas rendus compte. Et c'est aujourd'hui, on a vu que ce contrat, ce n'était pas bien. Alors, bon, mais là, de toute façon, la CGT vous épaulera au prud'homme, hein, si jamais... Non, mais ils ont rectifié tout de suite. Ils ont rectifié. Ils ont rectifié. Hein, parce que... C'était pas pour vous. Enfin, c'était là pour les. Ah, je pense, mais ils avaient espéré qu'on le voit pas. D'accord. Donc là, c'est rectifié, ça. Donc, d'accord. Les CDD pour un contrat CDI. CDI. Alors, c'est qu'est-ce que vous avez obtenu d'autre, hein? Les 200 euros de prime de fin d'année en plus. Oui. Sur les 300, sur les 500. Et ce qu'on a obtenu en plus, c'est pas de mutation ni pas de menace pour les grévistes. Oui. Et ce qu'on a obtenu, ce qui n'est pas écrit, c'est le respect et la dignité. Ah, donc ça valait le coup quand même. Ah, ça valait le coup, un mois, ça valait le coup. Hein. On a, rien que pour ça, si c'était à refaire, on le refait. Ah, bah, même j'ai demandé à mes collègues qui ont repris le travail, parce que je voulais pas qu'on soit fâché entre celles qui ont continué la grève Repris, et celles ouais. qui avaient... on leur a demandé si c'était à refaire, est-ce qu'elles le referaient? Elles disent oui. D'accord. Voilà, donc elles n'ont pas voulu que ça dure aussi longtemps, mais elles seraient prêtes à le refaire. Parce exactement. Que, franchement, on avait été salis. Donc là, il y a plus de respect, elles voient dans les étages, on vient leur dire bonjour, on vient même les aider à faire les chambres. D'accord. Hein, des gens qui ne les reparaient même pas avant. D'accord. Cracherait presque sur elle, hein, mais maintenant, bonjour madame, vous allez bien et les enfants, hein. C'est que c'est de l'hypocrisie. Enfin, Non. Non, c'est de l'hypocrisie. Tu penses? Ah bon? Ah non, on les connaît. Mais tu crois pas que les gens ont vraiment plus de respect parce qu'ils ont vu que vous vous respectiez aussi? Peut-être. Vous étiez courageuse, il faut du courage, voilà, hein, c'était une grève très dure. Hein. C'est vrai. Et ils voient aussi que vous avez su rester solidaire. Continuer jusqu'au bout. Non. Alors qu'est-ce que vous n'avez pas obtenu que vous demandiez? Pas d'augmentation de salaire. Bon, ils nous ont proposé les plateaux courtoisie dans les chambres à 65 euros d'augmentation 65 centimes, pardon, d'augmentation par chambre faite. Ah ouais. Ça veut dire quoi ça? Ce qui fait, bon, c'est un travail en plus, mais à la fin du mois, ça peut faire 150 euros en plus sur la fiche de paie. C'est un travail en plus, mais qui est bien payé. Bien rémunéré. D'accord. Donc l'augmentation, on l'aura, bon, à faire un petit travail en plus. Mais sur les cadences, rien n'a changé. Cadence, que tu as raconté grève, hier. Rien du tout. Voilà. Il n'y a que ça, hein, les 2 euros de panier aux oubliettes. Ah, même ça, ils n'ont pas voulu? Non, même 2 euros, c'était trop pour eux. Donc là, on reprend, mais avec l'esprit tranquille quand même, même si on n'a pas obtenu beaucoup. Bon, les CDD, c'est déjà pas mal. Pour elles, c'est important. Ouais, c'est important. Elles sont combien? 8. D'accord. Elles sont 8. Ils ont accepté les 8. Ok. Bon, ben moi, ce que j'espère, c'est que la solidarité va vous aider à au moins rembourser cette grève, qu'elle ne vous ait rien coûté. On a lancé sur le site internet de l'AG Féministe, il va y avoir un appel aux dons, en fait, pour que, je sais pas si on va y arriver, mais on a dit que pour chacune, il vous manquait pratiquement 500 euros dans votre poche à cause de cette grève. C'est à peu près ça, hein? Oui, c'est ça, parce qu'on a eu déjà le syndicat CGT qui nous a rapporté un peu de soutien de 200. Aujourd'hui, on aura 150 euros, puisqu'on a ramassé à la manif des femmes. Des femmes. Donc ça fera à peu près 220 euros chacune, ouais. Ce qui n'est pas négligeable. Excusez-moi. Donc, et vous alors, puisque vous êtes là, vous voulez me dire ce que vous en pensez de tout ça?
Bon, ça va, on a obtenu quand même pas mal de choses, 200 euros de plus, même quand il y a un peu de boulot plus, un peu plus, mais bon, c'est pas mal quand même, ça fait 150 euros de plus, mais ça va, et les filles qui sont en CDD, nous, on se bat pour eux, bon, ils ont quand même réussi en contrat CDI, c'est déjà quand même pas mal. Et vous, vous êtes contente ou déçue? Bon, je suis contente pour eux quand même, surtout pour les CDD. D'accord. Ouais. Vous pensez que ça valait le coup? Oui, parce que les filles sont très contentes. D'accord. Nous, ça nous fait plaisir quand même. D'accord. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit encore mieux? Les 5 heures. Ah, vous avez quelque chose à faire? Ça dit quoi? Bon, bah. Ok. Ah, les portables. Vous comprenez pourquoi je déteste les portables. 18h30. Affirmé parce qu'il faut que je descende. Pas encore le résultat au niveau voilà, du jugement. Pour l'instant, on n'a pas encore. Pas encore. C'était à 14h le rendu et en fait, ils vous ont pas encore communiqué. Il est 4h là déjà, non? Il a dit quoi? Il sera pas là avant 18h30, donc soit il passe demain matin, soit il attend 18h30. Ah non, non, on va pas attendre, il est déjà 15h54. Déjà, j'ai été appelée la maison. Je reste avec elle, je vais descendre le premier défi. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Vous allez reprendre le travail demain? Oui. Toutes? Oui, oui, toutes, à part celles qui sont en repos, mais toutes. D'accord. On reprend le travail. Bon. Ben, en tout cas, c'est une expérience, hein. C'était une grande expérience. Ouais. C'est une très grande expérience. On a fait des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Et puis, tant qu'à faire, on aimerait quand même remercier les associations qui nous ont soutenus depuis le début et jusqu'à ce jour. J'espère qu'on ne les a pas déçus parce qu'on n'a pas obtenu certaines de nos revendications, mais nous les remercions pour tout leur soutien moral et physique surtout. Merci à toutes les associations. Ah, bah c'est gentil. Ouais.